Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, j'échange mon appareil photo argentique avec Nicolas Pignoux. Salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ouais, on est à Nantes et tu m'as ramené un Nikon F5, c'est un gros monobloc réflexe 35mm avec un 50mm f1.8 dessus. Waouh, moi je t'ai ramené mon Pentax 6-7 qui est un réflexe moyen format 6x7 avec un 70mm f4.5. On va faire de la muscu, c'est ça? Ouais, on revient, on est balèze. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. Tu l'as entendu à l'autre bout de la vie, je suis sûr. Je t'ai ramené un Pentax 6-7 qui pèse, je sais pas le poids réel, mais ressenti lourd. Ouais. Voilà. C'est un boîtier moyen format 6-7, donc les photos sont pas carrées, c'est du 6x7, ouais, avec une optique Takuma 75mm. Ça équivaut à peu près à un 50, grosso modo. Habituellement, t'as quand même pas mal de moyen format réflexe où t'as la visée, tu sais, par le dessus, ouais, okay, avec le viseur. Alors ici, tu peux retirer le prisme qu'il y a là. D'accord. Et avoir un viseur, mais moi, j'ai pas d'autres viseurs. Et du coup, là, t'as un autre support que tu peux mettre et qui te permet de viser comme ça. Et du coup, t'es en full manuel ici. J'ai le viseur prisme, et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'un peu comme moi, un autre boîtier que j'ai, qui est le Mamiya 6-45, t'as quasi la même prise en main qu'un 35mm. D'accord. Donc tu regardes dans le viseur, tu fais ta mise au point sur la bague, qui va jusqu'à l'infini, et au plus près, tu peux être à 0,7. Là, t'as la bague d'ouverture qui est juste ici, donc de f4.5 à 22, okay, et ta vitesse sur la gauche. Et la particularité, c'est que ça s'arme exactement comme un 35mm, ça s'arme ici. Ok. Tu rames ici, tu déclenches, ça s'arrête quand tu es à la bonne vue. Dans le moyen format 6-7, c'est que tu fais que 10 photos par pellicule. Ok. 6-6, tu fais 12. D'accord. 6-7, 10. Le Lubitel, c'est un 6-6, je crois. Le Lubitel, c'est un 6-6. Ok. Voilà, donc les photos sont carrées sur le 6-6. Ouais, c'est ça. Et là, 6-7, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand, c'est pas comme un 24-36, mais ouais, moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà, ainsi que toutes les personnes qui utilisent mon code créateur Thomas App au moment de passer commande sur le site de Digit Photo. Ça m'apporte un réel soutien et ça ne vous coûte rien en plus. Je compte vraiment sur le fait qu'il y ait des belles couleurs cette pellicule. Excuse-moi, hein, je suis pas en photo, mais. Oh là là, j'ai que son œil presque. C'est magnifique. Il y a un monsieur qui va passer, tu vas voir un sujet. Ça fait très français avec la maquette. La French touch. Je l'ai pris avec l'oiseau sur le côté en plus. Ça, c'est un Nikon F5. Okay. Alors, contrairement à toi, moi, je suis pas autant calé sur ce boîtier que toi, tu l'es sur le tien. Mais en gros, c'est un gros boîtier monobloc argentique, ouais, bien sûr. 50mm 1.8, trop 50, bien. 1.8, ouais. J'ai aussi un 85 f2 okay, également. La vitesse va jusqu'à 1/8 millième. Ah ouais. Comment on change les ISO? Bah peut-être sur la... T'appuies sur ISO et en haut avec la molette de vitesse, tu la tournes. Voilà.
Hop, 800. Ouais, parce qu'en fait, il a avancement automatique. C'est-à-dire que quand je déclenche, ça avance à la vue suivante tout de suite après. Ouais. J'ai pas d'armement ou tout. Non, il n'y a pas d'armement. C'est des argentiques modernes. C'est un peu les derniers argentiques et qui fonctionnaient effectivement pour faire de la rafale. Ouais. Du sport, c'était les boîtiers un peu utilisés par les pros. C'était très utilisé, ouais, notamment dans le sport. C'était fin des années 90, donc juste avant l'arrivée du fait, pour l'allumer, il faut appuyer sur ce petit bouton et tourner en même temps. Ah, ok, j'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas réussi. Voilà. Ok, trop, c'est une sécurité. Et pour ouvrir, du coup, on est obligé de faire ça. Ouais, c'est ça. Là, on tire dessus. Ouais. Et il y a un bouton. Petit... Ah, il y a des sécurités partout. Ça s'ouvrira pas par hasard. Moi, c'est un boîtier que j'ai eu gratuitement. Ah oui, dans ta valise. J'ai vu ta vidéo où tu récupères tous tes argentiques. Voilà, exactement. J'ai pas encore eu la chance de trop l'utiliser. Ah, je suis le premier à l'essayer. Être le premier à l'essayer. Ouais. Génial. Quel honneur. Alors là, j'ouvre. Là, tu fermes. Je ferme. Là, t'es à 22, presque. Oh là là, le truc prêt. Ah, ça y est, j'ai déjà des trucs à dire. Ah, le truc est marrant, c'est que là, on est sur une optique mécanique Nikon. Dans tous les boîtiers Nikon, je crois, c'est que quelle que soit la date du boîtier, c'est la même monture, en fait, c'est ça. Donc, en fait, là, on a une optique argentique avec un diaph mécanique. Mais c'est le genre de boîtier où on pourrait mettre des optiques modernes dessus et gérer son diaph avec les molettes comme un numérique, en fait. Ouais, et puis peut-être avec un autofocus qui communique. Et avec un autofocus. Là, du coup, j'ai mise au point manuel, diaph manuel, ma vitesse. Ça. Faudra que je la calcule en focus. C'est ça. Tu te souviens à chaque fois qu'on vient Max, on fait des photos comme ça. Kiffant parce que c'est vraiment tous les immeubles et au 85, t'as vraiment le côté aplati de tout quoi. Le 85 mm, mais. Ah, il est classe. Il est magnifique et pour là où on est, c'est idéal parce qu'en archi, ça permet d'avoir des endroits vraiment bien délimités et de pas avoir de courbure d'optique, d'avoir des lignes très droites. Ouais. Et là, j'ai été vraiment dans une exploration de ça et c'était vraiment trop cool. Cet objectif, je le kiffe vraiment. Alors, pareil dans l'autre sens. Ah ouais, d'accord, donc tu perds vraiment tous tes repères. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout ce que je déteste. Hop là, le petit 80. Ah bah, ça c'est Max. Je vais lui mettre le lock. J'ai déclenché avec le bas. Incroyable. Super, les poignées, wow. les batteries grip, je recommande. L'optique, faut la tourner dans le sens inverse. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Plutôt que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le démonter. Et pour le remonter, c'est l'inverse aussi. Pareil pour juste, c'est aussi con que ça. Que enlever le cache, ça devient une petite tannée. Ouais. Au départ, les deux, trois premières fois, t'es pas habitué, mais une fois que tu t'y habitues à le changer, tu te dis bon, ouais, c'est comme mais ça. Moi, je te vois de loin arrêter devant le truc rouge, je me dis, mais il fait du noir et blanc, pourquoi il s'arrête là? En fait, c'est juste l'habitude qu'on a à prendre des photos et de se dire, bah, ouais. En fait, je suis attiré par la couleur. Et là, c'est hyper intéressant parce que bon, il y a la pelouse qui est verte, le bâtiment est rouge, t'as du noir, du blanc derrière. Enfin. Et t'as tout qui se. Bah ouais, le cadrage est parfait, et tout. Quoi. Ça me fait chier de la faire en noir et blanc. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'il porte des poids de 200 kg lui. Ça, c'est. Regarde-le, le furet, il lui vole sa teuf. Ah, il s'est déche. Il était pas. Tu vois, j'ai loqué tout à l'heure, du coup, j'ai eu trop tard. Ce qu'on se disait tout à l'heure, trop de sécurité, tu vois. Oui, oui, ouais, carrément. Il y a des bonnes sécurités. Ouais, je préfère shoot dans des trucs un peu random sans. Parce que je manipule l'appareil et ouais. Ah bon, bah je perds une vue. Plutôt que de rater une photo comme celle-là, tu vois, j'ai le mort un peu. Ah ouais, là tu m'étonnes. En plus, j'étais derrière, je me suis dit, pourquoi il apprend pas? Oui, c'est là, c'est maintenant. Ah ouais, il est au milieu, il est là. C'est là, il était à l'endroit. Il fait un rapport en arrière, le type. Et le truc, tu sais, j'appuie et ça fait. Et puis tant que. Et tant que je cogite, au début, je me dis, ah tant pis, je fais ça. Et puis après, je suis comme ça. Après, ah non. Quand il est repassé, je l'ai repris là. Je voulais le prendre, mais je l'ai pas pris. Bah, le cadrage me plaisait pas, du coup, je suis en arrière. C'est comme ça. Il y aurait eu un vieux métro, un truc un peu new-yorkais, un peu, ça aurait été stylé. Mais non, c'est un TER de la région des Pays de la Loire, c'est un peu dur de faire de la vibe dessus quoi. On fait des photos puis après on développe. Ouais. Là, tu dirais que c'est neuf toi. T'en as une, bon, et encore une, t'en as peut-être deux encore. Ok, moi je teste une dernière. Mais je commence à bien aimer. Parce que c'est pratique d'être comme ça et de ne pas être comme ça.
J'avais pas compris quand t'as dit monobloc tout à l'heure. J'ai dit, non, oh, monobloc, c'est quand t'as vraiment un bloc entier, un cube, quoi, un carré. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, ce que j'avais l'habitude, c'était forcément un battery grip que tu rajoutais. Ouais, non, non, bah non, là, ça fait partie de l'ensemble du boîtier. Incroyable. C'est quoi que tu prends? Je prends la lumière. C'est quoi que tu prends? Je prends la lumière. Le truc qui veut rien dire. Je prends la lumière en photo. Le rayon de lumière qui arrive sur les sièges dans les gradins et qui fait comme une espèce de tache et c'est très joli. Pourquoi? Ça, je sais pas, mais ça me touche. Allez, je descends. Salut. Vas-y, en Bretagne ou pas? Ah ouais, allez, toi qui es breton. Faut parler aux bretons. Est-ce que Nantes, c'est la Bretagne? Pour moi, ouais. Il y a des bars. Parce que j'y vais souvent, donc oui. Voilà. Après, tu m'as dit, il y a la Tour de Bretagne. Ouais, il y a les Ducs de Bretagne. Regarde Lyon, là, derrière. Château des Ducs de Bretagne. Faut que je change d'optique. Au 85, c'est pas possible. Là, je l'ai derrière toi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que la vue, elle est vraiment dans le corner en haut à gauche, avec le bâtiment dans le corner à droite. Là, genre, bah non, même au 85. Et bah, merci pour le conseil de changement de prix. C'était exactement ce que je fais. Déjà, première expérience en moyen format. C'est franchement cool. Ouais, 75 mm en 6-7, finalement, c'est un ratio qui ressemble à un 50 mm sur du 24-36. Ouais, et donc, j'ai l'impression que c'est trop large. Genre, là, je suis là, j'ai la bagnole qui est à gauche. J'ai pas envie qu'elle soit là, je veux que ce soit plus cadré. Je m'attendais à un truc un peu plus serré, devoir plus me rapprocher de mes sujets, alors qu'en fait, hyper polyvalent. C'est très polyvalent. Ouais, ouais. Tu peux aussi bien faire du portrait, bon, j'en ai pas fait, mais... Ouais. Le portrait en moyen format, c'est particulier. C'est une autre vie. Ouais. Ah mais c'est magnifique, hein, moi j'adore. Ah ouais, non mais de ouf. En fait, la règle d'exposition, tu sais, normalement, le moins il est à gauche, ouais, et le plus ah, oui, il est là, à droite. Il est inversé. Là, il est dans l'autre sens. C'est pour ça que j'étais là, genre, je ferme ou j'ouvre. Parce que c'était en train d'aller vers la droite et je d'accord me disais, bah, je suis sur X alors que je ferme, ça n'a pas de sens. Et en fait, non, je suis sous X parce que le moins il est à droite. Donc ça, c'est un peu perturbant au début, mais comme tout, on finit par s'y faire. Ouais. Exactement. Nicolas, on peut te retrouver sur YouTube. Ma chaîne, ouais. YouTube, hein, Nicolas Pignou, c'est là où je poste toutes mes vidéos. Et on peut retrouver aussi une vidéo dans laquelle je t'apprends à te servir de ton Lubitel. Exactement, j'ai un Lubitel, un moyen format aussi que j'ai récupéré, que je ne sais pas du tout utiliser. Alors on va dire que ce sera là. On va dire que ce sera c'est là. C'est là-bas. À gauche, là. Ah ok, bah voilà. C'est là. Voilà, c'est là. Ça y est. Voilà, vous allez voir sur sa chaîne, comme ça vous voyez comment il fonctionne le Lubitel. Ah, et ouais. Si, c'est ta journée moyen format, toi. Ah, ouais, de ouf. Ah, ouais, c'est clair.